Une session Franc-Connexion est un événement où les élèves ont la chance de participer à des activités culturelles et des ateliers qui les aident à faire le lien entre le français appris en classe et les avantages de parler les deux langues officielles du Canada. Through Franc-Connexion, we were able to provide students with opportunities to experience the Francophone culture by bringing the French language to life and by helping students to better understand their own culture while making connections between Francophone perspectives and themselves. Respirer à travers le tricotage, mais les moustiques n'aiment pas essayer de me piquer à travers la laine. L'interaction orale est une façon clé pour l'apprentissage d'une langue seconde. We planned a day of learning through a variety of workshops where students had the chance to interact with each other through games, dance, song, and role play. Les élèves de 10e année de Hayden Secondary School étaient nos leaders pour notre journée Franc-Connexion. Les participants de 7e à la 9e année ont eu la chance d'utiliser leur français dans des contextes réels. De plus, nous avions des élèves de White Oak Secondary School de 12e année qui ont mené un panneau de discussion. Ils ont pu répondre à des questions pour inspirer les élèves à continuer leur voyage avec la francophonie jusqu'à la 12e année. Et la seule chose qu'ils font, c'est chercher des personnes bilingues, des anglophones comme vous qui parlent français, ou des francophones comme moi who speaks English. Donc, c'est important, c'est un avantage. Vous connaissez le mot avantage? It's some ways, I got a job at what I'm doing right now because I could do the two languages. Les avantages d'être un individu confiant et compétent en parlant la langue française ont été découverts à travers la journée Franc-Connexion. After the conference, these students take on a leadership role, showcasing what they had learned. We hope they continue to spread the joie de la francophonie within their school communities and beyond. We also had community engagement to help foster the love of the language and to bring an appreciation of the French culture to our participants. The storefront set up by our community partners allowed students and teachers to become aware of ways they could incorporate French into their lives outside of the classroom environment. Franc-Connexion aligns with the ministry goals for the framework for FSL. First goal being to increase student confidence, proficiency, and achievement in FSL. Second goal being increasing the percentage of students studying FSL until graduation. And finally, the third goal, to increase student, educator, parent, and community engagement in FSL. J'aime le son, j'aime communiquer avec des gens avec, dans leur propre langue, parce qu'une langue, c'est la clé aux pensées d'une autre personne. Oui? Pourquoi parler français? Parce que c'est très joli, je pense. C'est très joli, c'est romantique, je pense que... c'est plus intéressant, je trouve, que seulement parler en anglais. Alors, même quand je suis toute seule et je suis à la maison et je fais le ménage ou n'importe quoi, c'est souvent que je parle en français parce que ça me donne un sens de... qu'est-ce que je peux dire? C'est ça a un espoir différent de que parler en anglais. Euh,
parce que je peux parler en français maintenant, mais je suis une personne anglophone, j'ai beaucoup d'occasions de travailler et de rencontrer d'autres gens en français. Alors, je pense que c'est très important pour les jeunes d'avoir quelqu'un qui est anglophone, qui travaille en français, pour voir que ça peut être vraiment très facile et ça peut être amusant. Et aussi, ça te donne tu peux participer beaucoup plus dans la culture canadienne, si tu peux parler en français. Alors, je pense que pour moi, c'est important de partager mon expérience en français, parce que ça me donne aussi un peu de confiance que je peux parler dans une autre langue. Ça me surprend toujours quand je parle en français. Je ne sais pas comment ça arrive et je peux trouver des mots. Alors, c'est pour ça, je pense. Aujourd'hui, j'ai appris que beaucoup de culture française. Alors, si je vais au Camp de France, je peux savoir plus des expressions françaises. Je vais prendre des cours français parce que je pense que ça va améliorer mes chances pour quand je veux trouver un emploi. J'aime le français parce que tu peux parler avec les autres personnes de les autres pays. Je vais essayer d'être un ingénieur et le français va aider avec ça. Oui, quand je allais à Dominicaine, je parlais avec une famille qui est français et j'ai essayé de... try to get my uncle to pick up this to get a girlfriend. Okay. Et je viens ici parce que ça va être amusant et je vais apprendre le nouveau mot en français. Et c'est un peu plus facile aussi de comprendre les cultures en voyageant où est-ce que ça, c'est la culture. Tu peux voir les personnes interagir en français. Alors c'est plus facile à apprendre les expressions et la culture. Je suis née avec le français. Oui. Si tu sais le français, c'est plus facile d'apprendre les autres langues comme l'espagnol. Et c'est une bonne idée d'être bilingue. Alors, tu pouvais travailler pour plusieurs pays ou s'il y a un pays avec deux langues et la langue seconde et le français, c'est important. De parler français, alors tu pouvais aider les personnes. Oui, et aussi, dans le futur, vous pouvez avoir plus de travaux et emplois. Si vous pouvez parler plus de langues, alors vous pouvez communiquer plus bien. C'est une bonne base aussi pour, comme tu as dit, les autres langues comme l'espagnol. Mais il ne faut pas oublier que le Canada, c'est un pays avec le français et l'anglais. Alors, si tu veux travailler dans notre pays, même si tu ne veux pas aller à d'autres pays, si tu connais le français et l'anglais, tu as plus de portes et d'opportunités pour des emplois. Oui, et aussi c'est amusant de parler le français. Alors. Comme quand les personnes ne savent pas comment parler en français et nous parlent, ils comme demandent qu'est-ce que vous dites. Oui. Et nous savent, c'est très différent et j'aime ça. Et pour les femmes, c'est sexy.